Allez, de retour sur le plateau de déblayage. Et ben voilà, vous le savez, hein, c'est le direct. Petit souci de flux internet, hein, exactement. On va rien vous cacher. Malgré les doubles sécurités qu'on a mises, et ben ça n'a pas marché. Et je pense que c'est un petit peu de ta faute, cher chauve. Ouais, Voilà. j'assume, j'assume. Tu Tu assumes? m'as saboté la chronique, Voilà, je t'ai t'es saboté la grand, connexion. tu sais pas où tu mets tes pieds. Je pense que tu as dû marcher un peu sur les câbles. Alors, les amis, ce que je vous propose, si vous venez d'arriver, et si la régie est d'accord, c'est je vais juste vous relancer le sommaire. Comme ça, je vais vous dire de quoi on va parler ce soir, rapidement, si la régie est OK pour m'envoyer le sommaire. Voilà. On va donc évoquer, et c'est ce qu'on était en train de faire, mon cher chauve, le VRD, hein, Valence Roman, on le rappelle, qui a perdu sur son terrain contre Aix d'un petit point. On ira ensuite un petit peu plus loin du côté de l'Isère, du Sud-Isère, avec le FCG, qui lui s'est imposé dans son antre du Stade des Alpes, vide évidemment à cause du Covid. On abordera toujours avec toi, cher Chauvinet, le classement britannique pour tous les arrières et avant qui n'ont jamais rien compris. La bise d'ailleurs à Laurent Caster s'il nous regarde. Et puis on terminera à parler du RCVT avec nos trois invités qui sont là, le rugby club des Vallons de la Tour, la Tour du Pin. Voilà, ça c'est pour remettre le sommaire. On en était à parler du VRDR. Tu nous disais que Aix avait plutôt mieux géré que Valence Roman son match au grand dam de Valérie Marzullo, mais surtout après tu nous parlais de la mêlée. Et je voulais, là si la régie est OK, m'envoyer le classement de cette Pro D2, le classement de cette Pro D2 pour qu'on voit un petit peu, voilà, du coup avec cette défaite, le VRDR se retrouve un petit peu en bas de classement, mon cher Pierre. Ouais, il décolle pas en tout cas, il décolle pas au classement. Et on le disait tout à l'heure, hein, leur mois de décembre va être compliqué. Et oui, on a le calendrier qui s'affiche, Pierre-Michel, pendant que tu peux nous le commenter, le calendrier du Valence Roman avec La semaine prochaine, hein, des matchs compliqués. il se déplace à Soyons-Angoulême, Lanterne Rouge, mais enfin voilà, C'est toujours difficile à manœuvrer. Qui est toujours difficile à manœuvrer. Et ensuite, voilà, ils vont recevoir deux gros morceaux, Hugo, hein, avec Oyonnax et l'USAP. À la maison avant de se déplacer, avant les fêtes de fin d'année, au stade T'as vu Aurillacourt. qu'on se déplace toujours à Aurillac en plein hiver? Je sais pas, c'est toujours. Ouais, c'est vrai. On dirait que c'est fait exprès C'est vrai. d'aller à Aurillac en plein hiver. Non, et voilà, de quoi avoir quand même les boules, cette petite défaite de 1 point du VRDR. Malgré tout, ça reste encourageant parce qu'ils sont capables de tenir tête à quasiment toutes les équipes cette année. Hein. Ah, clairement. Ils ont moins géré que les Aixois, mais ils ont répondu présent. Une très belle équipe, hein, ils se sont renforcés à l'intersaison avec des hommes d'expérience. Les joueurs et managers cibrés côté Aix, enfin ils le disent, il n'y en a pas beaucoup qui viendront gagner à Aix, au VRDR cette année. À Pompidou, exactement, du côté de Valence Roman. Allez, on va basculer à la seconde partie, les amis, toujours en Pro D2, on va parler du FC Grenoble. C'est la seconde partie. C'est la même rengaine, hein, pour parler du FCG qui recevait Rouen à domicile. On va d'abord vous montrer les images de la rencontre ainsi que les réactions des Grenoblois, notamment du coach Stéphane Gla, et on en discute juste après. Pas de puissance, c'est un peu fait peur quand même, plus que ça, même aujourd'hui. Bon, bravo joueur, hein, pour. Comme j'aurais dit après le match, souvent on dit dans des scénarios comme celui-ci, les mecs sont allés chercher la victoire, je trouve que plutôt on a refusé la défaite. On a refusé de rompre complètement. On sait qu'on est dans une période un peu dure, où, un peu sur un fil. Hein, on peut basculer du mauvais côté de tableau, ou peut-être revenir tout doucement. Et pour ça, voilà, il faut refuser de perdre, il faut refuser de céder. Et, voilà, ils ont montré beaucoup de valeur mentale, parce que aujourd'hui, ce n'était pas un match évident. Et aller juste le chercher comme ça sur une fin de match, bravo à eux. On a fait quand même de bonnes choses sur le match, sur l'ensemble du match. Après, on se fait peur parce qu'on est mené, parce qu'on n'arrive pas à se détacher, parce qu'on se fait refuser un essai de Kadiri où il y a un petit en avant. On manque une ou deux pénales touches peut-être importantes. Et à partir de là, voilà, ça devient un peu compliqué. Mais je trouve quand même que sur le match, malgré le fait que ça faisait 15 jours qu'on avait rien fait,
c'est pas non plus le mauvais match de la saison, loin de là. Loin de là. Okay. Encore une fois, on manque de constance dans le match. On fait des choses très bien et on fait des choses catastrophiques. Donc voilà, le constat, il est que on sort un match à 4 points. Donc comptablement, c'est sûr, c'est bien. Mais il y a encore du travail. Comme je te dis, c'est de l'inconstance. On va maîtriser pendant 20-25 minutes et derrière, on va faire plein de petites erreurs. On va remaîtriser pendant 20-25 minutes et on va refaire des erreurs. Donc il va falloir gommer des trucs. Et aller chercher cette sérénité sur 80 minutes pour avoir un match référence, pour construire la suite. Allez, de retour sur le plateau, et on a échangé notre chauve contre un moustachu. Le fils caché de Magnum est avec nous, Valentin. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Valentin, est-ce que tu t'es amusé du côté du Stade des Alpes? Amusé, c'est peut-être pas l'adjectif que j'aurais employé. Non, ça a été un match poussif, laborieux. Pénible pour des Grenoblois qui visiblement ne sont toujours pas dans leur assiette. Alors ils ont cette excuse, je dirais, cette fois-ci du Covid, puisqu'ils ont été très fortement touchés ces dernières semaines, et c'est aussi ce qui est un petit peu, on a senti ce manque de rythme et ce manque de repères. Malgré tout, voir un FCG peiné de la sorte autant face à Rouen. Et parce que pendant qu'on voit les images, d'ailleurs, les photos ramenées par notre photographe Laurent Lardière, Rouen, l'année dernière, c'était une équipe qui était en très grande difficulté, qui avait été... pareil également. Alors, petit, Régis, pareil, petit souci, là, c'est pas le bon FCG. Hein. Je crois qu'on a, un petit souci de diapo. Hein. Je crois que mes petits lutins sur les diapos se sont un peu trompés. C'est pas le bon diapo. Ça, c'est les espoirs du FCG, mais c'est pas grave. On fera sans les photos. On peut les enlever, les amis, en régie. Mon cher Valentin, est-ce que on a gagné, mais on a quand même le sentiment d'avoir perdu du côté de Grenoble? C'est ce que tu disais, c'est que l'année dernière, le match FCG Rouen qui s'était déroulé donc au Stade des Alpes, et un Stade des Alpes un peu plus garni, il y avait eu 46-3. Là, on est sur un score de 21-15 avec un essai marqué à la 78e par Benito Massilevu qui véritablement décante toutes les situations à lui tout seul pour le FCG. Depuis le début de saison, Grenoble, c'est des exploits individuels qui règlent. Exactement, et là tu as tout à fait raison, c'est que le FCG est porté par ses individualités. Alors on a vu donc Benito Massilevu, et là on a aussi vu des entrées très tranchantes d'Alas Kataofa et Deon Fourie qui sont véritablement les leaders de cette équipe, mais ces joueurs ont 36 et 37 ans. Valérie, tu as également regardé ce match. Grenoble gagne et il faut quand même leur donner le mérite d'être allé chercher cette victoire. Enfin, jusqu'à la 80e minute, enfin 78e, on n'est quand même pas fier hein, du match proposé dans le contenu par les Grenoblois. Ouais, tu sais que je les défends souvent. Hein, on fait, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué, c'est poussif. Il y a des excuses, bien évidemment. Ça a été une semaine compliquée. Ils n'ont pas pu s'entraîner collectivement ensemble. Ils se sont entraînés par petits groupes, pas mal de joueurs absents. Donc, pour préparer une confrontation, c'est pas l'idéal. Ange Capozzo, qui est traîné aussi le poste de numéro 10, lui qu'on a l'habitude de voir plutôt à l'arrière ou à l'aile. Donc, certes, il avait joué en junior, mais voilà, c'était pas forcément le plus beau des cadeaux. Mais oui, alors, par contre, de faire une comparaison avec l'année dernière, il n'y a plus lieu d'être. On en a parlé du Verder, c'est plus le Verder de l'année dernière. Et peut-être que le Rouen aussi de cette année, c'est plus le Rouen de l'année dernière. Qui allait poser aussi des problèmes à Oyonnax, qui allait poser des problèmes à beaucoup de gros, qui se déplacent. Après, ils ont gagné, mais c'est vrai que c'est pas folichon, quoi. Très franchement, c'est pas folichon. Non, je trouve pas des excuses. C'est gagné. Ils sont dans le mal, ils sont dans le dur. Ouais. Depuis quelque temps, ils sont vraiment en difficulté dans le jeu proposé. Depuis le début de saison, parce que moi, allez, à part quelques fulgurances, il n'y a pas eu non plus aujourd'hui, ils jouent avec Lilian Rossi et Sarah Gallet, à peine 20 piges tous les deux sur le poste de talon, bien avec l'absence de Laurent Boucher et puis là encore l'absence de Orioli. Ben voilà. C'est aussi un manque d'expérience avec le jeune Montagne en pilier. On a compté hier, puisqu'on a fait les espoirs, il y avait 8 joueurs quasi issus du centre de formation qui ont à peine entre 20 et 22 ans. Donc voilà, alors il y a la formation qui est présente. Maintenant, de tous les lancer en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on reste sur notre fin au niveau du jeu, on reste sur notre fin au niveau du contenu.
c'est un exploit. La 78e minute, je crois que 30 secondes avant, sur un contre de Rouen, Rouen est repris à 5 mètres de... On peut perdre le match. Oui, on doit le perdre à la fin. Et puis voilà, il y a ce coup de pied de Massilevou. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, ils ont gagné et on s'en réjouit en tout cas. Bogdan, toi tu joues au CSBJ. Il y a eu pendant longtemps cette rivalité CSBJ-FCG. C'était les deux clubs isérois du haut niveau. Bon, maintenant, les deux sont descendus, ne sont plus dans l'élite. Et même s'il y a une petite division d'écart, quel regard tu portes sur le FC Grenoble ? Non, c'est ils se sont restructurés. Ils ont su reprendre une place en Pro D2 et voilà, bon, bah, ils sont quand même bien placés au niveau du classement. Rien n'est négatif. On sait une saison est compliquée, même avec le Covid, donc c'est encore plus difficile. Donc c'est une adaptation. Et je pense que voilà, ils vont monter en puissance à partir du début d'année. Tu penses, Valentin, qu'ils vont monter en puissance, toi ? On l'espère. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à cette victoire, ils empêchent Rouen de revenir à la hauteur. Grenoble, avant ce match-là, c'était 15 points. Rouen ouais, on verra l'autre. Je ne sais pas si on a pour remettre le classement, mais avec leur match en retard, en le gagnant, ils sont quasi dans les 6 premiers. Alors, avec un contenu poussif, c'est vrai qu'on... Heureusement que le stade est un peu vide, parce que c'est franchement pas jojo à voir. On ne se régale pas, bien évidemment. Hein. Mais malgré tout, tu vois, 9 matchs joués avec un match de retard, ils gagnent leur match en retard, 19 et 5, 24, s'ils prennent le bonus. Ils rentrent dans les 6 premiers avec un match en retard. Donc les Grenoblois, ben, voilà, c'est possible dans le jeu. Malgré tout, ils gagnent, ils marquent des points. Et ils sont encore là pour répondre présent et aller chercher le haut de table. Moi, je pense que oui, ils vont rentrer 2-3 quelques joueurs d'expérience. Ouais, il faut rester confiant, Hugo. Ouais, ben moi, je veux bien rester confiant, mais malgré tout, quand je te dis pas qu'ils joueront les deux premières places. Avec le contenu qu'on voit, ils joueront pas forcément les deux premières places. Qui joue en top 14 oui, encore mais, deux saisons. Mais, oui, y a plein de choses qui se sont passées. Que tu as une des meilleures formations de France, et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des espoirs. À l'extérieur, bon, que ce soit parfois compliqué, oui, mais quand tu reçois Rouen, enfin, messieurs, alors vous êtes joueurs, pareil, vous êtes plutôt poussés vers le Nord-Isère ou le Lyonnais, mais quand vous voyez des matchs comme ça du FCG, ça vous paraît normal, vous êtes plutôt compatissant ou non. Bah après, je suis un peu ça de loin, mais j'ai l'impression que que le club a du mal à se stabiliser, qu'il y a souvent un peu des incohérences. Je sais pas, au niveau du recrutement ou un peu de la relation avec le public, c'est ce que je suis sur vous. C'est un grand nom du rugby, donc les voir un petit peu patiner en Pro D2 comme ça, c'est un peu surprenant. Thibaut, toi aussi qui as traîné du côté du CSBJ, hein, quel regard tu portes sur ce club grenoblois ? Bon, après c'est un peu comme Jordan, je suis pas forcément la Pro D2 à fond, j'essaye de regarder un peu les classements, tout ça, mais j'ai l'impression qu'en Pro D2, il n'y a vraiment plus de petites équipes. Quand on regarde le classement, là, je vois que c'est Vannes qui est en tête. Voilà. J'ai l'impression que Grenoble, ils repartent vraiment en s'appuyant sur leur formation. Donc ça, c'est plutôt peut-être encourageant par la suite. Après, c'est vrai que, comme les autres invités le disent, la saison, elle est encore compliquée avec le Covid. Et voilà, s'ils rentrent encore des joueurs, je ne suis pas forcément inquiet. Alors justement, pour cette équipe de Grenoble. On peut ne pas être inquiet. En tout cas, on a fait des tests. Il manquait à l'ouverture Selponi pour Covid. Il manquait également Corentin Glénat, hein, qui est jeune du centre de formation, qui est aussi normalement le remplaçant de Selponi. Et du coup, on a choisi de faire débuter Ange Capozzo, qui est un 9 de formation, qui joue plutôt à l'arrière en Pro D2, mais qui peut jouer à l'aile. Bah, là, on l'a mis en 10. C'était pas du tout son poste. Hein. Il avait dépanné il y a quelques années en junior. Avant qu'on en parle, tu as posé toi quelques questions à propos de ce replacement de Ange Capozzo en 10. Ange, il a un peu remplacé, il a été numéro 10 un peu au pied levé, parce que moi, j'ai commencé à discuter de ça avec eux. J'avais plusieurs options numéro 10. Il y avait Ange, il y avait Théo Nanette qui pouvait jouer 10, il y avait le petit Romain Trouillou. Et bon, en discutant un petit peu avec les gars, et en voyant Ange s'exprimer à l'entraînement, voilà, c'est quand même un joueur qui a du talent, qui est capable de jouer 15, qui est capable de jouer 9, qui est capable de jouer ailier. Et il a vraiment cette qualité-là. Donc j'ai rapidement pris la décision de mettre Ange en 10. Et aujourd'hui, il a fait son match. Franchement, il a fait son match. Alors évidemment, les vidéos, quand on est numéro 10, on touche beaucoup de ballons.
Donc il y aura peut-être certaines choses à corriger, mais il n'y a rien à dire. Et puis c'est lui qui nous sauve le match, hein, parce que sur l'interception qu'on prend, c'est lui qui va chercher le dernier, le joueur de Rouen. J'ai bien aimé son match. Je pense que c'est un joueur vraiment qui peut être très utile à ce poste aussi sur un match. Parce qu'on a deux véritables ouvreurs qui sont Enzo et Corentin Glénat. Mais ça veut dire aussi que le jour où j'ai un des deux qui est blessé, ben, peut-être que c'est un joueur qui sera peut-être numéro 2. Ben, on a beaucoup discuté, beaucoup parlé. Après, voilà, il est entouré aujourd'hui de Leka et de Romain qui font un très bon match. Puis même lui, c'est un talent pur. Donc, il ne s'est même pas mis la pression ni rien. Franchement, c'est comme si c'était hier qu'il avait joué 10. Et... Non, franchement, il a vraiment assuré. Et en plus, il a fait une très bonne performance. Donc t'as mieux pour tout le groupe. Non, j'ai pas eu d'appréhension, honnêtement. Encore une fois, on s'est bien préparé cette semaine. J'étais quand même bien entouré. Hein. J'avais les 4 tupures là à ma gauche, j'avais mon 8 à ma droite. Donc, je sais que c'était en plus entre Martel et tupures là, c'est deux joueurs qui plaquent très bien. Donc, pas inquiété en défense. Et puis, encore une fois, en attaque, voilà, on a beaucoup communiqué. Théo Nanette a été beaucoup avec moi tout le long du match. Donc non, pas tellement d'appréhension. Hop, alors mon cher Valentin, Ange Capozzo en 10, toi t'en as pensé quoi? J'ai pensé qu'il a bien dépanné. Il a bien dépanné, c'est pas forcément une solution viable à l'avenir, mais au final il a fait ce qu'il a pu. Il a été propre, pas forcément très inspiré dans l'animation offensive. On sent qu'il était évidemment en manque de repères. Malgré tout, il a fait le travail. Comme l'a précisé son entraîneur Stéphane Gla, c'est lui qui sauve un petit peu la patrie en fin de match, ou sur une interception, c'est lui qui vient plaquer à 6-7 mètres de la ligne d'en-but. Il est, on le connaît, hein, il est généreux, on connaissait son talent de relanceur. Voilà, il a encore à s'améliorer dans tout ce qui est sa palette d'animateur. Au pied notamment. Alors au pied, effectivement, c'est pas lui qui a pris la responsabilité, c'est surtout Théo Nanette au bord des rucks, et puis Jonathan Bousquet qui lui s'occupait plutôt du jeu au pied d'occupation. Le Ange Capozzo, hein, il est tout jeune, hein, il a 20 ans, on rappelle qu'il est aux portes de la sélection italienne, hein. La presse italienne d'ailleurs a fait des classements des ailiers et des arrières, hein, disponibles pour la Squadra Azzurra. A priori, il a une ou deux personnes encore devant lui avant de rentrer dans un groupe élargi, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, c'est comment il s'est débrouillé en défense, parce que c'est quand même pas un gros gabarit, et le poste de 10, on sait que c'est un poste où il faut défendre. Mais comme il l'a précisé, c'est qu'il avait il était bien entouré avec Tupuola à sa gauche et Thibaut Martel à sa droite. C'est vrai que il a fait une prestation honnête en défense, notamment voilà, on parle encore de son sauvetage, hein, à 6-7 ouais. mètres de la ligne. On avait quelques ligne. Photos, je crois d'ailleurs, de Ange sur ce match pendant qu'on termine la discussion. Voilà, et donc non, en défense, il a fait ce qu'il devait faire, même s'il a été donc bien protégé. Non, véritablement une copie propre, sans véritable faute, sans bavure. Ça reste quand même le joueur cette année qui fait la différence, peut-être lui derrière et Deon Fourie devant, du côté du FCG, les deux satisfactions de l'année. Oui, très clairement, Capozzo, d'autant plus qu'il a cet élément où il nous surprend toujours. Il ne paye pas une mine, hein, il a cette plaît, toi, les joueurs qui ressemblent à rien comme ça, là, et qui, hop. Non, rien. C'est la moustache qui veut... Ouais. Qui veut ça, mais non, effectivement, il a... Oui, envie, c'était pas méchant. Non, bien sûr. Voilà, gabarit qu'on voit pas habituellement dans... Exactement. Le micro, et lui, il en a fait une force. Et puis, avec un visage de chérubin, donc effectivement, il nous surprend toujours par sa capacité, à mine de rien, à faire des différences. Il a marqué, mine de rien, 4 essais cette saison, donc oui, Ange, on attend de le revoir, mais plutôt à l'arrière. Voilà. Alors, on a vu le classement, on va refaire un tout petit coup d'œil sur ce classement, parce que tout à l'heure on en a parlé pour le VRDR, rapidement pour le FCG. Grenoble qui, avec cette victoire, remonte à la 9e place, heureusement, hein, 3 minutes près, bah voilà, vous enlevez quelques points et ils sont 12-13e dans un ventre très très mou de ce championnat. Petit coup d'œil sur leur calendrier aux Grenoblois, Valentin, un calendrier
comment qu'on peut estimer de... Non, ça, c'est pas celui-là, c'est celui du VRDR. C'est pas grave, c'est celui du FCG. On y reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, il est là, il arrive. Plutôt équilibré avec un déplacement à Carcassonne pour commencer, puis Aix qui viendra. Voilà, et c'est surtout après que les choses corsées vont se profiler avec deux déplacements à Oyonnax et à Colomiers et puis la réception de Biarritz. Tout à l'heure, Valérie, tu parlais plutôt d'une série un peu plus positive avec ce point de bonus défensif pris à Vannes et puis ces deux victoires à domicile. Malgré tout, si on occulte ce résultat à Vannes, c'était des équipes de bas de tableau. Il reste les gros qui se profilent. Quand on est Grenoble et qu'on voit qu'on gagne petitement face à des équipes de bas de tableau, on peut se poser des questions. Ouais, mais justement, peut-être que le fait de jouer des grosses équipes te permet des fois de te sublimer, de te mettre au niveau, d'élever ton niveau, ça arrive. Hein. C'est pas, enfin, voilà, non, moi, il faut rester confiant. Ils vont rentrer des forces vives, ça manque de leaders. Ouais, je reste confiant. Maintenant, je sais qu'ils joueront pas le haut de tableau. Il faut pas attendre à ce que Grenoble balaye tout sur son passage. Enfin voilà, c'est vrai que les pronostics du middle en début de saison. On les voyait largement. C'est peut-être d'ailleurs été c'est le piège. Oui, ça peut-être été le piège. Voilà, ils sont repartis dans une autre dynamique avec en misant un petit peu plus sur la jeunesse. On ne peut pas, il y a 4-5 ans, râler après Grenoble parce qu'ils ne faisaient pas jouer un seul jeune. Et aujourd'hui, râler après eux parce qu'ils en font jouer beaucoup. Donc, c'est un sujet un petit peu démago. Parce qu'ils les font jouer. Après, il va falloir les garder. Voilà. La question, c'est dans les années à venir, il va falloir les garder. Tu parlais de Ange. Ils jouent à défaut. Là, c'est la pépite en ce moment du FCG, c'est lui qui tire le groupe vers le haut. Maintenant, est-ce que Ange sera là l'année prochaine, les années d'après, la question. Si on creuse un peu cette histoire des jeunes, quand même, Grenoble a dans le passé souvent refait jouer les jeunes après quelques années de Pro D2, puis quand ils remontaient, ils retombaient dans le piège, ça a toujours été les jeunes le cas. Ne jouaient plus. Et même l'histoire récente, alors ça m'a fait sourire quand tu dis il faut positiver. Moi, je me rappelle de Bernard Jackman, notre Irlandais en top 14, qui à chaque fin de match me disait mais faut positiver, mais non, mais vous allez voir. Et puis bon, on a terminé dernier. Hein. C'est bien l'accent en tout cas. Voilà, ouais, bon. En tout cas, ça c'était pour parler du FCG sur lequel il y aura encore beaucoup de choses à dire. Néanmoins, ils ont gagné et c'est pas la première fois qu'ils reviennent dans les fins de match. Ça, il faut leur reconnaître cette grinta d'aller chercher des points. Valérie, nous on a également, on est allé voir les jeunes qui recevaient l'ASM. Alors là, c'était un gros match, hein, Grenoble-ASM, parce que l'ASM est un des meilleurs clubs aussi français au niveau des jeunes. On a quelques images là de cette rencontre qu'on a commenté en direct. Et Grenoble, victoire de prestige contre l'ASM. Ouais, ça fait deux matchs d'espoir qu'on enquille. On n'avait pas l'occasion d'aller souvent voir les espoirs. On est souvent sur les terrains de fédéral tous les week-ends. Et le week-end dernier, VRDR Narbonne, on s'est éclaté. Et hier, victoire avec beaucoup de talent et au mérite, 13-11 des Grenoblois. Voilà, on voit les images qui arrivent. On était bien perchés sur le balcon du centre de formation. Ouais, c'était copieux, des défenses en place, de l'animation des deux côtés. Et voilà, une belle victoire, comme tu dis, de prestige, avec des Grenoblois qui étaient à leur troisième petit match. Voilà, une catégorie espoir qui a le droit de jouer. Et la nationale, on pourra en parler avec Bogdan tout à l'heure, qui, elle, n'a pas le droit de jouer. La semaine dernière, on allait faire les espoirs de Narbonne qui jouait. Par contre, Narbonne n'avait pas le droit de jouer en pro. Voilà, c'est un peu... Mais non, on s'est éclaté. Bravo aux Grenoblois. Et puis, ils vont enquiller avec un déplacement au Loup la semaine prochaine. Il y a un petit regret, Valérie, c'est de ne pas avoir vu jouer ces jeunes pousses sur le stade Lesdiguières, hein, sur le terrain d'honneur. On était sur le terrain annexe. Et sur un gros match comme ça, FCG-ASM, même pour les minots, ça aurait été une fierté pour eux de fouler le terrain d'honneur. Alors, on a quelques photos qu'on a entreaperçues tout à l'heure des espoirs. Moi, je voulais noter un ancien Grenoblois qui a ses deux fils qui jouent. Il s'agit de Toukino. Alors, les frangins Toukino, ils nous ont fait grosse impression, Valérie. Ouais, alors le numéro 8 s'est blessé rapidement, mais le quart d'heure qu'il a fait, ouais, on a vu que voilà, c'était solide et a appelé dans les moins de 20 français. Donc, voilà, un joueur promeneur. Je connaissais un peu moins le petit frère qui a joué au Clemson, centre. Clemson, ouais. Ouais, Clemson. Et alors, chaque ballon qu'il touche, il met dans l'avancée, il est solide. Il est solide comme ils sont solides comme le papa. C'est dans les gènes. Deux garçons prometteurs. Mais il y a plein de garçons, comme on le disait hier à l'antenne.
Enfin, voilà, vu que le FCG mise aussi sur les jeunes, ben c'est l'équipe qu'on a vue hier. Il y a plein de jeunes qui vont taper à la porte de l'équipe première dans les années à venir. Alors, on va voir le classement des espoirs de cette poule élite. Alors, classement qu'il faut aussi prendre avec du recul, Valérie, parce qu'on le voit, il y a des nombres de matchs joués différents, mais Grenoble, avec trois matchs joués, se positionne en troisième position. On voit que Perpignan, quand même, a fait un avec 5 matchs joués. Hein, ouais, mais 5 victoires. Pour le coup, là, ils ont été plutôt bons. Puis c'est le RC Toulon qui est à la traîne, la formation du RC Toulon qui a du mal dans ce début de championnat. On vous parlait tout à l'heure du VRDR. Les espoirs du VRDR aussi ont fait un gros match. Ils accueillaient Béziers, Valérie, et eux, ils ont fait 44-44 à domicile. C'est un score incroyable. C'est assez incroyable. On avait eu des demandes pour se déplacer là-bas. On ne pouvait pas être sur tous les fronts. On s'était régalé le week-end dernier, mais 44-44, ouais, c'est un peu inédit. Et voilà, les jeunes du VRDR aussi qui nous avaient régalé et qui sont aussi, eux, dans la poule d'accession. Oui, d'ailleurs, on a le classement qui va arriver. La poule d'accession, le FCG, dessous, voilà, pour accéder à la poule élite dans laquelle figurent les Grenoblois. D'ailleurs, la poule d'accession, parce qu'ils ont perdu un match de barrage, les espoirs du VRDR, en début de saison contre Castres. Non, c'était Narbonne. C'est Narbonne qui avait perdu contre Castres et qui n'était pas monté en poule d'élite. Voilà, il fallait que je me trompe, c'est fait. Et le VRDR qui du coup reste donc sur un match nul, les espoirs du Valence Roman Drôme Rugby. On a le calendrier du VRDR pour voir les prochaines rencontres des Drômois et ainsi conclure cette page sur le VRDR avec trois déplacements, parce que du coup il y a eu beaucoup de matchs également annulés à cause du Covid. Et là, ça nous projette jusqu'au mois de mars, avec un calendrier quand même assez troué, mon cher Valérie. Allez, on va entamer la troisième partie, alors que Valentin Magnumbar se barre d'ailleurs. Salut Valentin. C'est la minute chauve, les amis. Quand tu viens, t'as une allure particulière quand même. Ouais, c'est-à-dire, vas-y, développe. Non, tu peux pas voir. Non, mais heureusement que t'es grand. Vas-y, monte. Non, je peux pas. Non, ça brillerait. Par contre, t'as vu les distanciations sociales. On y est. Oui. Non, mais il y a un plexi, mais il est transparent. Ouais. Voilà. Mon cher Chauvineau, tu es venu parce que tu voulais absolument nous parler d'un sujet qui t'était cher. Et dans ta minute chauve, c'est le classement britannique. Alors, le classement britannique, tu as souvent des coachs ou des assistants coachs qui sont fans de ces classements. Tiens, je disais tout à l'heure, on passe le bonjour à Laurent Caster qui fait 80 tableaux par match pour expliquer à ses joueurs depuis 20 ans le classement britannique. Je crois qu'à chaque fois, les joueurs le disent, mais on ne comprend rien à tes classements. Alors, c'est quoi le classement britannique? Alors, Hugo, le classement britannique, c'est un indicateur de performance. C'est un indicateur de performance, ce n'est pas un classement officiel. C'est un indicateur de performance qui te permet de relativiser les performances. Bah, merci. Je m'explique. Vas-y, parce que je n'ai pas compris là. Je m'explique. Ouais. On part du principe qu'il est normal de gagner à la maison. C'est normal. Ok ? Jusque-là, tout va bien ? C'est bon ? Jusque-là, je suis d'accord. Okay. Sauf qu'à l'instant T, toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs à domicile. Ouais. Donc en fait, c'est pour faire un classement pondéré entre le fait que gagner à l'extérieur est plus valorisé que gagner à domicile. C'est exactement ça. En fait, tu valorises uniquement les matchs que tu gagnes à l'extérieur ou les matchs nuls à l'extérieur. Alors, ça permet d'avoir quoi comme vision, finalement? En fait, c'est une photo à l'instant T pour voir comment ton équipe se comporte, comment elle voyage, si elle se déplace bien, et comment elle se comporte à domicile. Alors, tu nous as fait un petit tableau, je crois, pour nous expliquer exactement ça. Voilà. Donc voilà, en gros, on est d'accord, quand tu es à domicile, que tu gagnes, tu as 0 points. Il ne se passe rien. Enfin, voilà. Il se passe rien. Par contre, quand tu perds des points. Quand tu perds 4 points. Ah oui. Tu perds 4 points. Et lorsqu'il y a un match nul, tu perds 2 points. D'accord. Comme je te l'ai expliqué, tu valorises uniquement, hormis les bonus, tu valorises uniquement l'équipe qui voyage. C'est-à-dire que si elle gagne à l'extérieur, elle fait un plus 4. Ouais. Si elle fait match nul à l'extérieur, elle fait un plus 2. Et si elle perd à l'extérieur, j'ai envie de te dire, il ne se passe rien. Par contre, les points de bonus sont applicables. Ça veut dire que si je gagne à domicile avec le bonus, je marque un point au classement britannique. Tout à fait. C'est ça. Et si je prends le bonus défensif et offensif, parce que j'ai perdu mais j'ai marqué plus d'essais que mon adversaire,
C'était pour t'embêter. Ça fait deux points. Alors, du coup, ça a quelle incidence sur la lecture d'un classement ? Tu nous as fait une comparaison de Fédéral 3, puisqu'on reçoit la tour du pain de RCVT, entre le classement, alors c'est le slide d'après, entre le classement à gauche neutre, et le classement, on le voit, britannique. Valérie, je te vois hocher de la tête. Ouais, parce que l'USRR vient de gagner une place. je sais pas si tu as fait attention. Si, mais c'est bien. Voilà, de dernier, on est passé avant-dernier grâce au classement. C'est pas mal, finalement, les Anglais vont rendre service. Ouais, ça veut dire qu'on s'est plus déplacé que l'on a reçu, mais c'est très important. Sur une série des 6 premiers matchs, tu peux avoir fait 4 déplacements pour 2 réceptions à la maison, et bien évidemment que ça rentre en compte. Et nous, les coachs, enfin, voilà, moi je suis bien assisté à part par Liès qui comprend toujours rien, mais oui, on se sert vraiment de ce classement britannique. Je pense que la majorité des coachs le regardent. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous, les joueurs, Jordan, toi, tiens, prends ton micro, est-ce que ça t'intéresse? Tu regardes des fois le classement britannique ou alors pas du tout? Non, pas vraiment. Ça va vraiment. Côté RCVT, je préfère le classement classique. Ouais. Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que c'est des arguments qui sont parfois utilisés par les coachs. Ça permet d'avoir un petit peu l'état de santé de l'équipe. Mais non, c'est pas quelque chose que je regarde en toute honnêteté. Et toi, Thibaut ? Pareil, très rarement. C'est vrai qu'on en a un peu parlé l'année passée, qu'on avait stoppé la saison. Ouais. On savait pas trop comment ça allait se passer, se terminer. On regardait où on était au classement britannique par rapport aux autres équipes. Mais c'est vrai qu'on en parle très, très rarement. Bogdan, toi, dans le rugby pro, peut-être qu'on y fait plus attention parce que les victoires à domicile, les déplacements sont souvent plus périlleux, peut-être. Bon, ça dépend des coachs. C'est exactement ça. Donc il y en a qui s'y réfèrent et justement, y en a que non. Et pour toi, personnellement, t'en penses quoi ? Pour ma part, non. C'est quelque chose que je laisse de côté et on reste au réel, on va dire. Parce qu'ils comprennent pas, c'est pour ça. Tout ça pour te dire qu'à la dernière journée, à la fin des derniers matchs, le classement britannique correspond au classement final, quand même. Il n'y a pas de classement différent, hein, quand même. tu as raison de préciser. Et pourquoi on dit le classement britannique Parce qu'en fait, il y a un Anglais qui est venu en France et qui l'a instauré, tout simplement. C'est juste ça. Ouais. Il est quand Il a Rouen. C'est le coach de Rouen. Voilà. Merci pour cette demi-minute chauve, du coup. Merci, avec plaisir. C'était pas... Oui. T'as compris ? Mais moi, j'ai compris, tout à fait. C'est l'essentiel, du coup. Je te remercie, prof. Et on va pouvoir passer enfin aux choses sérieuses. On va parler du rugby club des Vallons de la Tour dans la 4e partie, maintenant. Aborder le plat principal de cette journée, mon cher Valérie, et on reçoit quand même pas n'importe quel club, le RCVT, c'est un club qui avec ton équipe de Ronage déjà rencontré il y a quelques années en honneur, et puis qui a progressivement, pareil, monté les échelons et qui se positionne aujourd'hui comme un très bon club isérois. Ouais, enfin, ils n'ont pas attendu cette année pour être un très bon club isérois. Vallons de la Tour, c'est 110 ans d'existence, il me semble. Alors, je suis allé fouiller un peu sur leur site, mais c'est 21 titres du Lyonnais, c'est 4 fois vice-champion de France, que ce soit en 102e série ou en honneur, puisqu'ils ont été vice-champion de France honneur en 2016. Donc ils n'ont pas attendu cette année pour compter dans le paysage du rugby dauphinois, en tout cas. C'est un club très formateur. Vallons de la Tour, c'est la Tour du Pain. Ça aussi, c'est assez récent. Je crois que c'est au début des années 2000. Ça s'appelait le football club de la Tour du Pain. Maintenant, c'est Vallons de la Tour parce qu'on essaye de drainer un territoire autour de la Tour du Pain. Beaucoup de formation, et puis il y a une âme dans ce club, donc ils n'ont pas attendu cette année pour se révéler comme un grand club, en tout cas. Alors, on reçoit trois personnages de ce club, et on va commencer par toi, Thibaut Boiton, pendant qu'on regarde du coup quelques photos qui retracent ta carrière, Thibaut, tu vas nous en parler. Tu n'es pas... toi, t'as bougé un petit peu, hein, t'as pas fait tout ton cursus à la Tour du Pain. Alors non, moi j'ai attaqué le rugby à la Tour, donc très tôt. Voilà ce qu'on voit sur ces belles photos. À 5 ans, ouais, merci pour les photos. Ouais, on verra ce qu'a envoyé ça là. Non, personne, ça c'est... Après, du coup, je suis parti à Bourouin en cadet. Natation synchronisée aussi. En cadet. Ouais, pas mal aussi. L'exercice, c'est de garder son calme pendant les photos. J'ai fait 5 ans donc à Bourouin, donc...
Donc cadet jusqu'en espoir, j'ai fait une année en espoir, d'accord. Donc j'ai fait, enfin c'est des super souvenirs avec des super joueurs, des super entraîneurs. Après je suis parti 3 ans à Saint-Priest. Donc voilà, j'étais étudiant là-bas. Après j'ai fait 1 an au PUC. Au PUC, ouais. Tu étais monté pour le avec travail. Une mutation professionnelle, ouais. Parce que tu es enseignant. Ouais, ouais, professeur de PS. Tout comme ton coach Stéphane Reynaud d'ailleurs. Tout comme mon coach, ouais, on se fait pas mal charrier d'ailleurs tous les deux sur ça. Pas mal de profs, Valérie, de profs de PS. Hein. Il y a Bibi Ferwi par exemple également. Enfin, ils sont nombreux, c'est pas ton cas. Non, je te confirme. et là, tu es revenu dans. Oui, ça dans fait deux club. Ans que je suis revenu au club. Là, je suis très content d'être ici. Pas mal de copains d'enfance. Et avec une lignée aussi avec toi, parce que on l'a évoqué tout à l'heure avant que l'émission commence. Ton papa a joué, était même une figure, je crois, du club. Hein. Oui, bah, il a joué toute sa carrière au RCVT. Mon grand-père aussi. Et voilà, je baigne dans ce club depuis que je suis tout petit. Et voilà, c'est aussi ça, ce club. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec leur papa qui jouait il y a quelques années. Voilà, c'est un club très familial et je pense que ça fait notre force. Alors tu joues demi de mêlée, tout comme l'homme à côté de toi, Jordan Vignati. Alors Jordan, toi on te connaît parce que pendant pas mal de saisons, tu as commenté les matchs avec LSD parce que tu étais blessé. Ou juste que tu étais mis de côté, peut-être. En tribune, au frigo. non, ouais, j'ai pu commenter lors de ma rééducation, pendant ma blessure en fait, liée au ligament croisé. Donc j'ai commenté notamment avec Mathieu, avec Valentin, et c'est vrai que ça m'a permis de garder un lien et un contact. Avec moi, mais tu t'en fous. De toute façon, avec toi, non, oui, non, pardon, peut-être. Ah, Saint-Germain, peut-être. Bon, non, un match où il pleuvait, c'est pas un bon souvenir. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être pour ça. Et donc oui, ça m'a permis de garder un lien avec le terrain, au final. Ouais. Et pareil, donc on a quelques photos oui, pour illustrer ta carrière. Toi, Jordan, toi, tu n'es pas issu de la formation turipinoise, tu viens plutôt du côté de Saint-Priest. Ouais, exactement. J'avais une histoire familiale avec Saint-Priest, effectivement. Mon père a joué avec là-bas. Aussi. mes oncles. Et donc, j'ai débuté là-bas en Benjamin. J'ai joué 14 ans et puis j'ai rejoint la Tour du Pin en 2016, donc il y a 4 ans aujourd'hui. belle photo, ouais. Intéressante. Pourquoi t'as rejoint la Tour du Pin? En fait, je suis parti avec mon frère et Aurélien Benetton, mon ami d'enfance, et tout simplement parce qu'on n'était plus vraiment en accord avec la politique de Saint-Priest sur l'état d'esprit, entre autres. Et donc, on a caché. Hein. Voilà, je vois. On a caché. Bon, on a mis un tout petit logo, par contre. Ça suffisait. et donc, je disais qu'on avait rejoint la Tour du Pin parce qu'on voulait un nouveau départ, un nouvel élan. Et Thibault l'a assez bien résumé, on a retrouvé un cadre familial, simple, où en fait il se pratique un rugby justement de transmission, et moi je sais que personnellement c'est ce qui me fait vibrer dans ce sport, donc on a retrouvé ça là-bas, et pour l'instant on y est très bien. Merci Thibault, on reviendra un petit peu à toi après, on va passer du côté de Bogdan. Bogdan, Valérie, tu peux peut-être nous dire un mot pendant qu'on regarde également quelques photos. Alors on a moins de dossiers sur Bogdan parce qu'il est quand même plus sérieux que vous, messieurs. Mais Bogdan, quand même, ça commence à peser en termes de CV rugbystique, Zoul. Ouais, déjà digne fils de son papa, hein, Georges Léonte. Que j'avais eu le malheur d'affronter. D'habitude, on dit le bonheur, mais c'était plutôt le malheur. Pilier plus que solide, voilà, qui a démarré sa carrière de rugby à Vienne. Et puis, voilà, c'est un enfant du CSBJ, juste un petit intermède d'un an à Mont-de-Marsan, hein, c'est ça, Bogdan. Hein. Mais il a quasi fait toute sa carrière, il a connu tous les niveaux, tous les bonheurs et les malheurs qui s'en sont aussi suivis. Voilà, c'est quand même une figure emblématique du rugby dauphinois. Oui. Alors Bogdan, déjà tu as attaqué le rugby du coup au CS Vienne, là où ton papa jouait. Oui, c'est ça. Donc à force d'être autour du terrain et regarder mon papa jouer, voilà, qui a notamment joué au CS Vienne, j'ai attaqué justement dans cette super école de rugby parce que voilà, ça a formé pas mal de bons joueurs qui ont évolué dans pas mal de grosses équipes. Et c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai intégré Bourgoin et depuis, j'ai fait qu'une année à Mont-de-Marsan en 2013. Et c'est vrai que, comme l'expliquait Valérie à côté, donc du coup, voilà,
J'ai tout vécu à Bourgoin. Voilà. Ouais, on va dire. On est parti de top 14, descendu en Pro D2, redescendu en Fédéral 1, remonté en Pro D2, qui était une année, notamment, je tiens à noter, exceptionnelle, parce que, comme on parle d'une équipe formatrice, on parle beaucoup de Grenoble avec la formation, et c'est vrai que moi, c'est pas mal mon approche à ce niveau-là. Et à Bourgoin, bah, voilà, une équipe qui descend en Fédéral 1 perd tous les noms, on va dire. Et on s'est retrouvé justement avec. Avec des jeunes, avec cette équipe jeune, on ne savait pas trop où on allait aller. Et voilà, on a fait une saison plus que complète parce qu'on est remonté. On a dû perdre juste le match de la finale. Et voilà, donc c'était une superbe, un super souvenir. Tu te sens aujourd'hui, tu as le sang bergalien, tu as le sang Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est, voilà, quand j'étais à Mont-de-Marsan, j'avais des possibilités d'aller autre part. Et quand Bourgoin m'a rappelé, c'était une évidence. Pourquoi tu étais parti à l'époque? Tu voulais voir quand même autre chose? Ou c'est finalement, ça ne se passait pas très bien au club? Tu peux nous le dire, il y a prescription maintenant. Non, au club, justement, on était sur une montée. Donc, on montait en Pro D2. Et c'est vrai, on va dire, tout le temps, avec les joueurs que j'ai évolué par le passé à Bourgoin, ils m'ont toujours conseillé de changer d'air. Au moins une fois. Et de voir autre chose, voir comment ça se passe. Je l'ai fait. Ça s'est bien passé. C'est une belle expérience. Mais j'étais mieux à Bourgoin. Ouais. Donc voilà, donc c'est d'où mon retour. Et alors du coup, tu disais que tu as tout connu à Bourgoin, et à quel moment ça commençait à te trotter, alors que tu es toujours joueur en activité, hein, tu joues toujours dans cette poule nationale cette année. Depuis quand tu t'es dit je veux transmettre, je veux devenir coach? À la base, j'ai fait 2-3 petits entraînements par-ci avec des jeunes, et... La Tour du Pin a fait appel à moi, notamment sur ce niveau-là. J'ai réfléchi, j'ai essayé, et justement, j'ai intégré il y a 3 ans la Tour du Pin. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être intégré à ce club parce qu'il véhicule des valeurs énormes. Et c'est un peu mon approche, on va dire, du rugby. Et voilà, comme l'expliquait tout à l'heure Thibaut et Jordan, c'est un club où quand on y rentre, c'est un peu comme à Bourgoin, on va dire. Ouais. Oui, on a du mal à en sortir. Il y a une vraie similitude avec des différences de niveau, mais il y a une vraie similitude sur l'état d'esprit qui peut régner entre les deux clubs. C'est ça, on voit vraiment un esprit de camaraderie. Et comme il expliquait tout à l'heure, voilà, il y a des joueurs qui reviennent chaque année et c'est des copains d'enfance. Et quand on voit, c'est une bande de potes qui jouent. Et comme vous savez aussi bien que moi, quand une bande de potes joue ensemble, ça peut faire quelque chose de grand. Bogdan, c'est quoi ton rôle exact dans le staff aux côtés de Steph Reynaud ou de Seb Ferrand? On va dire, je m'occupe beaucoup de la partie avant, et on va dire, on prend un peu sur le côté détail, sur des petits détails que nous, en monde professionnel, et que j'ai pu emmagasiner au fur et à mesure de ma carrière, et j'essaie de transmettre un peu des petites choses qui peuvent faire la différence sur un match ou... Voilà, et quand on a la chance de visionner des équipes adverses, on s'adapte un peu par rapport à leur jeu et ça permet des fois de faire la différence. On dit souvent que les neufs, ils sont à moitié avant et à moitié arrière. Là, la concurrence, elle est saine au club? Parce que là, on a deux neufs aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau du club, il n'y a jamais eu de problème au niveau de la concurrence. C'est très sain. Nous, on essaye de rendre les choses saines aussi, parce que voilà, le but, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Ils sont là pour prendre du plaisir avant tout, et c'est comme ça que le club, alors, le club avance. On va leur demander. Alors, on me dit d'ailleurs que tu as un regard de braise, mon cher Jordan. Tu as des fans. Hein. Du coup, la concurrence, elle est saine entre neufs? Oui, concurrence... Je trouve que c'est un bien grand mot. Nous, on s'entend hyper bien en dehors du terrain. Je ne parle pas que pour notre poste à nous. Donc, à partir du moment où on s'entend bien sur le terrain, voilà, que ce soit l'un ou l'autre qui joue, ce n'est pas forcément un souci. Nous, on est là pour surtout être avec les copains et passer du bon temps. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe. Mais... C'était bien quand il était blessé, de toute façon. Ouais, c'était pas mal quand il était blessé. Mais voilà, il n'y a pas que nous deux au poste. Donc voilà, la concurrence, elle est plus que saine, il n'y a vraiment aucun souci, que ce soit lui ou un autre qui joue, personnellement, ça ne me posera aucun souci. Jordan, quand on a la chance d'avoir des joueurs expérimentés comme Bogdan aux entraînements, ça vous apporte quoi? Ça nous apporte un réel plus, hein, comme il le disait, il a le regard du monde professionnel, donc forcément, c'est de la valeur ajoutée pour nous, et puis c'est une chance de pouvoir aussi côtoyer... Des joueurs comme ça, une forme de respect et d'écoute par rapport à la carrière qu'a pu faire Bogdan, et le parallèle, la carrière que fait Bogdan, parce qu'il est toujours en activité, et il y a le parallèle avec Bourgoin. C'est vrai que
Il y a cette forme de territoire du Nord-Isère, hein, et donc Bourgoin est un peu la capitale, donc forcément quand on a aussi un joueur qui a porté ce maillot et qui porte ce maillot, ça fait sens, en tout cas au RCVT. Ouais. Alors on parlait, Valérie, du parcours du RCVT, qui était monté donc d'honneur en Fédéral 3, qui s'était rapidement qualifié pour des play-offs et qui a très rapidement joué la montée en Fédéral 2. Et un peu comme toi, il garde un souvenir mitigé d'un déplacement à Saint-Cloud, parce que toi, tu avec Renage, tu avais aussi perdu un match de barrage là-bas. On avait tourné, grâce à Mathieu Brosseau, qui était avec nous, des images qu'on n'a jamais encore diffusées. C'était l'occasion aujourd'hui de remonter un an et demi en arrière au sein d'un déplacement qui aurait pu marquer l'histoire du club, mais qui a en tout cas marqué l'histoire d'un groupe. Et puis on en parlera tout à l'heure avec Mathieu. On regarde ça. Pas plus, d'accord, allez pas puiser de l'énergie, on en aura bien le temps cet après-midi, ok, cette semaine, voilà, restez bien organisés, bien resserrés, 1, 2, 10 là, restez bien serrés, vous écartez pas, resserrez, qu'on les fasse, qu'on les oblige à amener le ballon sur les extérieurs, d'accord. On monte un petit peu le niveau d'exigence, on demande pas d'aller à 100 à l'heure, on demande simplement d'avoir les bonnes courses, d'être concentré, une de 1000, on peut la donner aux deux. D'accord ? Aux deux personnes. La croisée ou à hauteur. Les touches, on règle la mire. C'est simplement de la justesse. On monte un petit peu le curseur et on finit une bonne mise en place. On va pas passer 45 minutes à faire une mise en place. Allez, okay, allez.
Ouais, on s'est trompé la première mi-temps. Eh bah ouais, on s'est trompé. Et alors, ça arrive, hein. Tout le monde se trompe, c'est pas grave ça. D'accord ? Par contre, ça efface pas tout ce qu'on a fait avant. Hein. Ça efface pas toutes les personnes qu'on a fait se déplacer et tout le plaisir que vous avez donné aux gens. Interdit de pleurer aujourd'hui, hein. D'accord ? Interdit de pleurer, Steph, hein. On se l'est dit dans le vestiaire. Maintenant, on va profiter, d'accord ? On va être les premiers supporters de notre réserve parce qu'ils vont jouer un huitième de finale la semaine prochaine. Et moi, je suis fier d'être votre entraîneur. Ah, pour rien au monde, je serai leur entraîneur à eux. Ça, c'est sûr. Moi, c'est tout ce que vous m'avez donné, vous, qui me fait que, voilà, là, je suis fier de vous et je veux rien changer à tout ça. Voilà, pour en parler avec nous, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Hugo, salut à tous. Ça va ? Bah ouais, super. Ravi d'être au retour. Et bah oui, ça fait plaisir de te revoir avec nous, Mathieu. Bon, maintenant tu es parti sur Paris pour tes études, mais tu étais avec nous, le commentateur attitré de la Tour du Pin, et avec Jordan en binôme, hein, sur les commentaires. Bah, vous avez vécu ce match. Jordan, de te replonger un peu dedans, c'est à la fois bon et pas bon. Ouais, c'est ça, c'est un souvenir un peu mitigé, un peu paradoxal, parce que c'était ça va rester gravé dans nos mémoires, hein. Pierrick le disait dans le discours d'avant-match, il y avait quasiment 300 supporters turipinois qui avaient fait le déplacement. Moi, à titre personnel, j'avais jamais vu ça, hein, dans le rugby amateur, quand il y a un tel engouement. Donc c'est un souvenir magnifique, mais quelque part, bon, bah, on perd une montée à 4 points près. On a vu la dernière touche là, qui avait tant fait débat. Donc c'est un souvenir mitigé, mais voilà, j'en garde quand même de bons moments parce que ça avait vraiment fait vibrer le club, pardon, et vibrer la ville de la Tour. Mathieu, toi, tu es tombé amoureux un peu de ce club, finalement, hein, à force de les suivre, tu as su vraiment les apprécier, et puis tu les suis encore maintenant, hein, de loin. Hein. Ouais, de loin, ouais, je regarde les matchs selon comment ils sont diffusés. J'y étais retourné également un match l'an passé, alors que je commentais déjà plus, mais ouais, c'était un super souvenir. Quel parcours incroyable qu'ils avaient fait. Ça avait commencé déjà, enfin, la dernière journée de la phase de poule. Ils se qualifient. Il y avait trois équipes égalité à quatrième place. Il n'y avait que le quatrième qui se qualifiait. Bah, c'était eux. Il fallait un peu faire des calculs d'apothicaire. Globalement, je pense, dans le stade, il n'y avait que Stéphane Reynaud et moi qui avaient fait les calculs avant. Jordan, lui, les 10 dernières minutes de ce match, était à Tarare. Il ne parlait plus. Et le seul truc qu'il disait, c'était: t'es sûr de tes calculs, hein? T'es certain de tes calculs, hein? Donc, non, ouais, c'était un super souvenir. Après, il y a eu le 32e à Lons. Ça s'était mal passé à domicile. Pour moi, c'était fini. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de renverser la situation au retour. Et à Lons, ils leur ont collé 30 pions et ils sont qualifiés, du coup, pour retrouver Saint-Claude, qu'ils avaient déjà affronté en phase régulière. Ils gagnent à domicile face à un Saint-Claude, qui était déjà un bel exploit. Et puis, ils gagnent avec une dizaine de points d'avance. Donc les espoirs étaient permis. Puis, comme l'a dit Stéphane Reynaud dans le reportage, ils se trompent un peu, je pense, tactiquement, surtout dans la première mi-temps face à Saint-Claude. Steph s'était beaucoup concentré sur le centre du terrain. Et au final, ils prennent 4 essais sur les ailes. Et ils reviennent bien en deuxième mi-temps, ils reviennent assez bien pour aller jouer cette dernière touche qui aurait pu leur permettre de monter. Et au final, bah, ça ne l'a pas fait, ça aurait pu le faire l'an passé, ouais, etc. Enfin, c'était peut-être un mal pour un bien au final. Alors Bogdan, toi tu venais d'arriver du coup alors dans le staff. Oui, c'était la première année, donc c'était une merveilleuse année comme on l'a dit. C'est vrai que ce que j'ai toujours dit à Steph, j'ai dit: si on arrive à passer, on sera pas bon à prendre, parce que comme je le disais, en phase finale, on sait que c'est ces valeurs là qui passent avant tout, et notamment ce match contre Lons-le-Saunier qui nous avait tués, et les gars étaient allés faire un match phénoménal là-bas, et voilà, on leur avait roulé dessus, si je peux me permettre de dire ça, quoi. Donc c'est vraiment plaisant. Et maintenant, bon, voilà, déjà d'être arrivé à ce stade de la compétition, c'était déjà inespéré pour nous à la base. Et bien sûr que quand on croque dedans, bah, on a envie toujours d'aller plus loin. C'est une déception, mais malgré tout, voilà, on voit que les gars chantent à la fin, ouais. Ils ont passé une belle aventure ensemble, et puis voilà. Mais alors Bogdan, on a des photos un petit peu qui retracent le RCVT depuis 2-3 ans, on va pouvoir les regarder, mais toi qui as vécu toute ta carrière au CSBJ, aujourd'hui,
est-ce que tu trouves quelque chose de différent dans ce rugby amateur, même si le CSBJ est repassé par le statut amateur avec ses descentes, ça reste quand même une grosse structure et un grand club sur plein d'aspects. Tu as été un petit peu étonné de ce que tu as pu trouver à ce niveau, au niveau de la Fédérale 3, en termes d'émotion, en termes de jeu? Oui, j'étais étonné, parce que déjà avant tout, comme je l'ai dit, leur valeur correspondait aux miennes. Donc voilà, déjà avant tout, ça c'est la première des choses, parce qu'au rugby, les valeurs sont très importantes. Donc le respect, la camaraderie et le sacrifice, bien sûr, sur le terrain. Et ils ont vraiment tout ça, ils l'ont à la tour du pain, et vraiment c'est ce qui me correspond. Donc ça m'a beaucoup plu. Maintenant, dans le rugby pro, on va dire, ça disparaît un peu. C'est malheureux, mais voilà, c'est les aléas du sport, la médiatisation, et il y a certains clubs qui arrivent à le garder grâce à des entraîneurs, mais on voit disparaître petit à petit, et voilà, et c'est vrai que nous, pour mettre en accord avec la Tour du Pin, à Bourgoin, on essaye de garder tout ça, voilà, avant de penser à l'individu, on passe à l'équipe, donc voilà, qu'on ait 20 ans ou on ait 35 ans, on a la même importance dans le collectif. Du moment que voilà, le respect est là, il n'y a pas de problème, l'équipe tournera très bien. Valérie, revoir des images de vestiaire, finalement, qu'importe le club, c'est toujours les mêmes émotions, hein, ces phases finales, parce que là, du coup, c'est des phases finales, elles ont une saveur particulière, elles ont un bruit particulier. Hein, on reconnaît presque à la bande-son, quand on sait qu'on est en phase finale, on l'entend, quoi. Rénovons les phases finales. Ah ouais, c'est pour ça que cette année sera une année un peu particulière, puisque on risque de finir la saison en phase finale. Tout rugbyman rêve d'en jouer. Tout le rugbyman traverse l'hiver dans la boue, la neige et le froid en espérant pouvoir jouer les phases finales. Et quand on voit ces images-là, c'est coloré, il y a du bruit, il y a les trompettes. Voilà, il y a des frissons différents. Et ça, on peut vivre ça qu'au rugby en phase finale. Voilà, je te le disais dernièrement, j'ai vécu une montée en finissant premier, en phase finale. Ouais. Tu sais, ça n'a pas même la même saveur que quand tu joues les phases finales, que tu peux monter. Bon, là, c'était pas le cas, mais tu échoues pas très loin, tu vis des émotions. C'est des choses qui restent gravées à jamais et qui forgent un collectif. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, quand ils vont se retrouver autour d'une bière, ils parleront de ce match, ils parleront de cette aventure-là. Et c'est ça qui fait la force du rugby, en tout cas. Thibaut, toi, depuis. Ça fait 80 que tu es revenu. Je me suis mélangé. Je suis venu après. Tu es arrivé après, voilà, après ce match à Saint-Claude. Cette ambiance particulière, on nous l'a souvent dit, hein, à la Tour du Pin, il y a vraiment quelque chose de particulier, il y a une osmose au sein des joueurs qui fait votre force depuis quelques années. C'est pas, Valérie, la Tour du Pin, un des clubs qui a eu les plus gros budgets, on a souvent parlé d'argent dans cette émission. Tu vous as remarqué d'ailleurs, hein, que le RCVT, c'est un club qui a souvent fait revenir d'ailleurs. Il y a 15 jours, on ne les avait pas forcément attaqué en plus. Tu parlais d'argent, j'avais dit qu'il y avait des clubs aussi qui passaient par la formation. Thibaut en est l'exemple, il a démarré à la Tour du Pin, il est passé par Bourgoin, il allait s'aguerrir après à Saint-Priest, un niveau supérieur, et il revient apporter tout ce qu'il a connu et son expérience, et je crois que c'est pas le seul dans ce cas-là. Donc c'est une vraie bande de copains qui se retrouvent, bon, peut-être après un exil voulu pour continuer leur progression, et il y a une grosse base de joueurs formés en tout cas au RCVT. Là où ils sont forts, c'est qu'ils ont structuré le club et qui donnent l'envie, en tout cas, à ceux qui sont partis de revenir et de créer cette aventure-là. Thibaut, pourquoi t'es revenu dans ce club, ça te manquait finalement, ton club formateur, il te manquait? Déjà, en étant parti du club, je savais très très bien que j'allais revenir dans ce club, finir dans ce club. Moi j'ai été spectateur à Saint-Claude et de voir l'arrivée des joueurs, de voir cette marée humaine là, à Saint-Claude, je me suis dit dès que c'est possible, je retournerai dans ce club. Il y a tous mes meilleurs amis dans ce club, j'ai beaucoup de proches dans ce club. Et puis l'image marquante, moi, de ce vidéo, c'est un peu la fin là, où on voit des jeunes autour de Stéphane Reynaud, on voit des personnes un peu plus âgées autour des joueurs, et puis c'est vraiment ça notre club, quoi. Nous on veut s'appuyer sur la formation, il y a des joueurs qui reviennent, il y en a encore qui sont à des niveaux supérieurs, on espère qu'ils nous rejoindront encore.
Mais voilà, c'est les valeurs de notre club, ça. Jordan, dans ces valeurs de club, on parle un peu de la formation, on parle des jeunes. C'est ancré quand même, hein, l'école de rugby. Enfin, voilà, il y a toute une, tous les villages autour. Enfin, ça vit pour le Vallon de la Tour. Hein. Ouais, exactement. Tu disais tout à l'heure que c'était un club lié à la Tour du Pin, mais c'est un club de territoire, hein, des Vallons de la Tour. Et c'est vrai que au niveau de l'école de rugby, il y a un travail formidable qui est fait. Hein. Je salue Olivier Bourrin notamment qui compte pas ses heures pour structurer tout ça, et ça fait que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un témoin qui se transmet, et que chaque année depuis maintenant de nombreuses saisons, il y a des juniors qui viennent alimenter ce groupe senior, qui viennent s'aguerrir en réserve, et puis qui ensuite passent le pas. Et puis les retours de Thibaut, d'Antoine Bourrin, de Pierre Rigoni, toute cette génération qui sont revenus au club après avoir pu jouer dans des niveaux supérieurs. Donc c'est l'ADN de ce club, c'est ce rugby de transmission. Et quand tu as de la transmission et quand 22 mecs dans un vestiaire, il y en a la moitié qui sont issus du coin, bah forcément les ressources mentales, tu les trouves plus facilement. Mathieu, qu'est-ce qui t'avait marqué, toi, dans ce club ? Beaucoup de choses. Bah, l'accueil des joueurs était vraiment extraordinaire. On est quand même généralement bien accueillis quand on est commentateur, mais au RCVT, j'en garde vraiment un super souvenir. C'était une saison incroyable, des émotions très fortes. Et puis voilà, il l'a dit, un groupe qui va de la réserve à la une, parce que la réserve, cette année-là, moi, de tous les matchs que j'ai commentés, il y avait toujours la réserve, donc en levée de rideau en Fédéral 3, je ne les ai pas vus perdre une fois. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, la réserve gagnait à chaque fois. Donc voilà, c'est un groupe qui était très uni. Les mecs de la réserve montaient en une parce qu'ils avaient beaucoup de pépins physiques en plus, hein, dans leur parcours. Et les mecs de la réserve montaient en une, on ne voyait pas la différence. Ça continuait à gagner, à bien défendre surtout. Et tout ça, c'est structuré à la base, je pense, par un groupe d'entraîneurs, un staff qui a fait vraiment un boulot extraordinaire. Je les ai vus plusieurs fois en préparation de match, à la vidéo, etc. Et je voyais qu'il y avait vraiment un travail derrière qui était énorme pour un niveau Fédéral 3. Valérie ? Ouais, le lien aussi avec le CSBJ qui est important, puisque Thibault l'a dit, il est parti au CSBJ. Enfin, voilà, Bogdan fait le chemin inverse. Mais la chance de ce territoire du Nord-Isère qui est assez incroyable, parce qu'on parle de la Tour, mais juste à côté, il y a Saint-Savin, il y a La Smida, il y a Saint-Jean-de-Bournay. Enfin, voilà, tout le monde travaille aussi sur la formation, à côté du grand frère qui est le CSBJ. Il y a un vrai territoire exceptionnel de rugby. Je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a dans ce territoire. Alors, la particularité de la Tour du Pin, c'est dans l'Isère, mais pendant très longtemps, c'était affilié au comité du Lyonnais. Donc, on est un peu moins tourné vers la partie grenobloise. C'est pour ça que toutes les finales honneur et compagnie, c'était dans le Lyonnais. Voilà, maintenant, c'est la Ligue Aura. On met un petit peu plus le coup de projecteur. Mais ça travaille beaucoup. Il y a un vrai territoire de rugby autour de la Berjali, en tout cas. Ouais. Bogdan, la saison dernière, la saison était annoncée pour être une grosse saison. D'ailleurs, sur le terrain, ça se ressent. Vous êtes premier ex aequo. Ça se joue à pas grand-chose avec Véor, merci. Et puis finalement, le Covid arrive. Et là, le club, le staff, et puis je vais vous demander après aussi les joueurs, en tout cas, le club décide de ne pas accepter l'invitation à monter en Fédéral 2, alors que c'était l'objectif du club. Ça a fait couler pas mal d'encre. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur ce choix ? Bah déjà, avant tout, cette saison était frustrante, parce que voilà, on était parti sur des acquis de l'année d'avant. Donc voilà, on était monté en puissance. Et à cause du Covid, voilà, on était obligé d'arrêter tout ça. Et justement, ce choix de pas monter en Fédéral 2, je pense qu'il a été autant des joueurs que du staff. C'est nous, à la Tour du Pin, on veut gagner notre place sur le terrain. Donc là, de monter sur entre guillemets sur tapis vert, ça correspondait pas trop à nos valeurs. Et voilà, on voulait aller se le chercher et justement faire les choses dans l'ordre. Jordan, tu confirmes, vous aviez le même sentiment chez les joueurs ? Oui, complètement. Bah, après, c'est vrai qu'on a... Le club a été approché par la fédération et il n'y a pas eu vraiment de retour derrière de la part des hautes instances. En tout cas, on a fait des échanges en interne, hein, et c'est vrai qu'au niveau des joueurs, le consensus était de vouloir gagner cette accession sur le terrain, mais aussi parce qu'une saison en Fédéral 2, elle se prépare parce que tu es dans la dynamique des phases finales, parce que tu as créé un groupe, parce que tu as créé une osmose. On se voyait mal repartir après 6 mois d'arrêt, ne pas avoir ce tremplin-là.
Donc on en a discuté, hein, voilà, les cadres du groupe ont échangé avec les présidents, aussi avec les responsables justement de la formation et de l'école de rugby, parce que c'est important, c'était une décision de club et pas que d'équipe. Et le consensus a été trouvé sur le fait qu'il était mieux d'aller gagner ça sur le terrain, malheureusement, bah Covid, oui, deuxième phase. Du coup, alors, imagine cette année, c'est pareil, il n'y a pas de phase finale, vous terminez premier, deuxième, puis on vous dit, bah, vous montez... C'est quand même difficile de refuser deux fois alors qu'on... Après, si la règle est vraiment établie cette année, enfin, on verra quelles seront les règles lorsqu'on va reprendre. Mais c'est sûr que ça fait deux ans sans phase finale. C'est sûr que, en tout cas, pour la dynamique de la Tour du Pin, on peut dire que ce virus, il tombe au mauvais moment. Ça, c'est clair. On en parlait aussi avec Thibaut tout à l'heure dans la voiture. On a des joueurs qui sont venus se greffer à cette colonne vertébrale du RCVT, mais des anciens Saint-Savinois notamment. Mais qui, cette année, ne savaient pas trop s'ils allaient reprendre. Du coup, ils reprennent. Est-ce que l'année prochaine, ils seront encore là? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Et on va dire que ce Covid bouscule un petit peu nos plans. Quoi. Donc, on verra. C'est compliqué quand on est joueur, le Covid, comme ça. Une saison, Thibaut, qui s'arrête. Une deuxième qui commence, qui s'arrête, qui va reprendre. Comment, toi, tu te sens comment là-dedans? C'est forcément compliqué parce qu'au niveau amateur, on ne sait pas trop quand on va reprendre. On parlait avec Bogdan. Ça parle bien dans le micro. Pardon, il va falloir qu'on se remette physiquement. Il y a des joueurs un peu plus âgés. Ça fait deux fois que la saison se termine, qui rattaquent. Nous, c'est vraiment le flou total. De toute façon, on va s'adapter. Et puis, on reprendra quand ça sera temps. Parce que je pense que le rugby, là, ça manque à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est ce qui est un peu compliqué, c'est ce flou. Quoi. On ne sait pas trop quand on va reprendre, comment on va reprendre, comment ça va se terminer. Donc voilà, on attend et puis on s'adaptera. Tu as parlé tout à l'heure, Valérie, du staff. Non, c'est Mathieu, pardon, je crois que tu avais parlé du staff. Un petit mot quand même sur ce staff. Alors, il y a effectivement Bogdan qui est avec nous, mais tu as également Stéphane Reynaud et Seb Ferrand. Zoul, des coachs de caractère, un peu comme toi. Ouais, salut Stéphane, il doit nous regarder. C'est un petit peu accroché, mais on est deux caractères forts, mais... Ils sont 8 ou 9 dans le staff, mais parce qu'ils sont 80 licenciés, parce qu'ils sont 60. Ouais, après, c'est une autre gestion, bien évidemment. C'est complètement différent de ce que je vis actuellement, mais voilà, chaque équipe a son charme et ses déboires. 80 licenciés, 60 aux entraînements. Heureusement qu'ils sont 8 dans le staff, parce que ça doit être aussi dur à gérer, et difficile à faire des choix le week-end. Enfin, je pense qu'ils doivent laisser quand même des garçons au frigo à chaque week-end. Ça ne doit pas être évident. Il y a une vraie gestion humaine au-delà de la gestion rugbystique qui doit être établie. Mais oui, ça laisse rêveur. Un club de Fédéral 3 qui a 80 licenciés, un staff de 8 à 9 personnes, dont un joueur pro, parce que bon, je ne suis pas intervenu tout à l'heure quand il a pris c'est de vraies plus-values pour les clubs. C'est incroyable. Voilà, on maîtrise plein de choses, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, nous, les coachs, on n'a pas connu le haut niveau, et ce qu'ils nous apportent, c'est le détail, donc c'est une vraie plus-value, en tout cas pour le club de la Tour, et oui, c'est le club de la Tour se porte bien, parce qu'il n'y a qu'à regarder les effectifs, et quand tu as autant d'effectifs, ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique, en tout cas au sein de ce club-là. Ouais. Hey Bogdan, 60 gars à l'entraînement, du coup, tu n'as même pas besoin d'y aller, tu n'as pas besoin de prendre le maillot et les crampons, quoi. Non, c'est sûr, non, c'est vrai que là, j'étais aussi étonné par le nombre de licenciés et vraiment étonné par l'entente de chacun. On voit souvent dans des clubs amateurs la différence entre la 1 et la 2, entre ceux qui jouent pas, il y a des gars qui viennent juste pour s'entraîner et passer du bon temps avec les collègues. Donc ça, c'est ce qu'on dit, c'est rien que voir ça, on comprend tout, quoi. Bon, en tout cas, voilà, on arrive un petit peu au bout, nous, de notre programme, les amis. Alors, peut-être un dernier mot de la fin. Moi, déjà, je tenais à remercier ce club du RCVT avec qui, nous, LFD, en tout cas, on est partenaire et avec qui on travaille bien. Il y a des clubs avec qui on ne travaille pas, mais voilà. Et puis, il y a des clubs avec qui on travaille vraiment bien. Le RCVT en fait partie parce qu'il a aussi des dirigeants qui sont dans cette optique-là. Et je remercie Christophe Gros, le président. Les gars, on peut vous souhaiter quoi de terminer premier? Même sans phase finale ouais, pourquoi pas, déjà de retrouver les copains le plus vite possible. Bogdan parlait de vie de groupe et de vie d'entraînement, voilà, de se retrouver dans les vestiaires, de rigoler, de se faire des vannes, de manger ensemble le jeudi soir. Je pense que déjà ça va ramener du baume au cœur à tout le monde. Et puis voilà, merci à vous aussi de nous mettre en lumière quelque part, parce que le concept du LSD est vraiment génial. Puis un bonjour à tout le club du RCVT et hâte de les recroiser. Bon, la famille Boiton,
bien représenté. Thibaut également, on te souhaite le meilleur. Bon, écoutez, c'est gentil, hein. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce que vous faites pour le sport amateur. Ce qu'on peut nous souhaiter, nous, c'est beaucoup de victoires pour le groupe 1, pour le groupe B, pour les jeunes, voilà, qu'on prenne du plaisir, puis qu'on fasse une vidéo qui se termine avec une montée au bout. Peut-être que ça sera sur un dernier match de championnat à la maison, je ne sais pas contre qui on termine, mais voilà, que par contre Saint-Savin, ça sera, voilà, magnifique. Ça serait beau et voilà, merci à tous. Bogdan, alors toi, du coup, tu as deux objectifs. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais tu te donnes encore combien de temps de joueur à Bourgoin? Pour l'instant, le corps va bien, donc voilà, c'est moi, je me base par rapport au corps. On va dire le Covid, il me fait gagner des années. Non, bon, c'est en plaisanterie, mais c'est vrai que à côté de ça, voilà, quand tout se passe bien, quand à Bourgoin, on connaît justement cet état d'esprit aussi, on s'entend bien tous. Quand vient l'entraînement, on a le sourire, on se fait des blagues. Voilà, quand il y a cette osmose et que tout va bien, qu'il y ait victoire, défaite ou quoi que ce soit, c'est le plus important. On est avant tout là pour rigoler, passer des bons moments ensemble, parce qu'avant tout, c'est un jeu. Et c'est vrai que, bien sûr, plus on monte de niveau, plus les objectifs viennent. Et voilà, en ayant l'osmose, les objectifs viendront tout seuls. Alors, voilà. on fera bien entendu une émission spéciale Bourgoin dans les mois qui viennent. Dernière question, quand même, avant que Valérie prenne la parole. Bogdan, si un jour tu arrêtes avec Bourgoin, parce que tu finiras par arrêter, hein, tu ferais une pige dans le rugby amateur ? Au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué à dire, on va dire. C'est comme je dis, ça dépend du corps. Et on sait beaucoup qu'en descendant dans le monde amateur, c'est pas forcément plus simple. Parce que voilà, beaucoup de joueurs sont descendus en mode amateur et ils étaient attendus. Et moi, quand je vois notamment certains joueurs que j'ai à la Tour du Pin, ça peut piquer, ça peut faire. Voilà. Donc, on verra mon corps, comment il réagira. Valérie. Ouais, moi, en tout cas, en tant que coach et fan de rugby, ouais. S'il te plaît, Bogdan, fais une pige n'importe où tu veux, mais fais une pige. Le rugby amateur a besoin des pros. On le voit au Sauve avec l'arrivée de Fabien Alexandre et de Florian Faure. On l'a connu dans d'autres clubs. C'est une vraie mise en lumière de nos clubs amateurs. Ils apportent beaucoup de choses, ces joueurs pros. Donc, voilà, viens faire une pige où tu veux, à Renage ou n'importe où. Non, mais fais une pige dans le rugby amateur et tu le rendras beaucoup, en tout cas au rugby amateur. Enfin, pour nous, les coachs et les joueurs, je pense que c'est une vraie plus-value, en tout cas. Et puis, moi, je vais souhaiter au club de la Tour beaucoup de victoires, sauf une, bien évidemment, parce que ce sont toujours des matchs compliqués et acharnés avec Renage. Donc, on aura le plaisir de les recevoir en mars, avril. Et puis, je saluerai avec grand plaisir mon ami Stéphane Benoît, que je salue. Je t'embrasse, qu'on Stéphane. Salue avec Seb Ferrand. Merci Mathieu d'avoir repris le micro LFD pour cette petite interlude avant de remonter. Avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de retrouver les gars du RCVT avec qui j'ai passé de super moments. C'était un plaisir que tu m'invites. Voilà, merci également à Chauve là, qui est reparti se cacher de peur qu'on voit son crâne, hein, mon cher Valérie. C'est compliqué pour notre ami Chauve. Merci à Valentin également qui a préparé cette émission. Et à Guillaume et Flo à la régie. La bise les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.